Yes, I wait. I wait. I will answer after training. It's very pleasure to talk with the fans. Hey, don't forget after training. We have meeting today, yeah? Bonjour à tout le monde, voilà, j'aime bien, je viens de terminer l'entraînement. Je suis bien content de passer du temps avec vous et répondre à vos questions. Je pense qu'on a tous besoin de soutien et Dieu seul sait, vous m'en donnez beaucoup, beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vais répondre à vos questions après mon entraînement, passer du temps avec vous. Yeah, I signed for Hilal 1 year ago, because for me Hilal is a big club, is the biggest club in Asia. I came here for to win many titles, to have other challenge, because after 1 year Galatasaray I win everything. I want to change, and Hilal give me this chance to come in Asia and to try to win many titles. And for me, when I watch, when I try to ask many friends how is Hilal, all people tell me it's the biggest club in this part in the world, with a lot of fan support. And now, 1 year after, I can say I'm really happy to defend this jersey. It's difficult because I score a lot of goals, and every goal is important for the striker. But I always said the most beautiful, the most important goals for one striker is always the next. But for me, I will say the first, because I'm very lucky to score the first goals very quick for the new club, and he give you more confidence, better adaptation, and the teammate and the fans give me a warm welcome, and I'm very happy to score very quick for Hilal. Thank you, Hadja, for the big question. Let's go to hotel. Yes, and the Saudi league and the Saudi players, for me, is the one in the league is very difficult, because it's a strong league, and for me, he have many big team, and the small team, when he play also against Hilal, is don't give us many space, and it's very difficult. And for me, the best players, if I want to say the one, I will say the Salman, but he have also many players on the same level. But for me, Salman is one of the best, because he have the good quality technique, but he have the character, is aggressive and the leader. But also last year, the players like Kano improve a lot. Brek, Sharani is very players, left back and right back, with modern, give assist, box to box. No, I'm very proud. I'm very happy to play with the important players in the Saudi national team, and with this level. It's a very good surprise for me. Yes, because when I start in the Saint-Etienne, when I was young, I have one big brother. He helped me a lot. He played with the first team. He was the number 18. And when I come in the first team, this number was free. And I will take and start to score the goals. And I will like, because also he's a one striker, all striker take number 9, and I was too young for to take the number 9, and
I said 1 plus 8 is 9. I will stay. I will continue with this number, and now I can't take other number. I will very comfortable with this number. Yes, my ambition is Hilal is to win everything. When you take this jersey, you go on the pitch. Every game you have to win and to make good performance for me to score the goals. This is the important for me. I like to make happy my fans. I hope this year will be better, because last year was a difficult moment, because for me we have the best team and we didn't win the titles. It was difficult for all the Hilal family. And the best moment for me is always when I score, I know the fans happy, give me too much love, more than I deserve. I just want to say the thank you all fans for the love and to give you give me, and I'm really happy to live in Saudi, especially in Riyadh, and to play for Hilal. I hope to continue like this many years, and to finish, why not, my career with Hilal. Ouais, c'est une bonne question. Moi qui suis parent, je sais ce que c'est la valeur quand on voit son enfant qui a les yeux qui brillent, qui a un idole, qui s'identifie à un joueur. Et c'est vrai que moi, avec la responsabilité que j'ai en tant qu'attaquant à marquer des buts, donner du plaisir aux fans et surtout aux enfants avec la célébration, voilà, c'est... Ça fait plaisir. Voilà, j'ai eu la chance de jouer pour des grands clubs avec de nombreux supporters. C'est encore le cas à Hilal. Et c'est vrai que le fait d'être performant et marquer des buts, ça rend fier beaucoup d'enfants. Et j'espère marquer encore beaucoup, beaucoup de buts pour Hilal et continuer à faire la célébration. Et pourquoi pas peut-être terminer ma carrière ici. L'amour que les gens ont pour Hilal et le football, je pensais vraiment qu'en arrivant dans les pays du Golfe, que peut-être c'était la fin pour moi. Et j'ai été agréablement surpris de l'attente, de la pression qu'il y a, parce que je pense que quand il y a la pression, c'est comme ça que tu dois travailler dur. Pour continuer à te battre et être performant. Et je pense que Hilal est un club ambitieux avec beaucoup d'attentes pour ses joueurs, et je pense que ça m'aide, et c'est pour ça que je suis heureux ici, parce que c'est pas des vacances, et tous les jours, toutes les fois que je vais sur le terrain, je dois être performant. I have other question from my friend Sultan. Can you describe the community in Saudi Arabia? What you think about Saudi? Sultan, I think a lot of good things about Saudi. First thing is the nice country. I found everything I need to play football. The people is so warm with me. I receive a warm welcome. All people like me and help me. I also am very lucky to play for the biggest club, very professional. And yes, I start to visit a lot of things.
I start to have a lot of friends outside in football from Saudi, and I can learn the traditional life, the traditional food, everything. For me, this is very important because I'm from Africa, and the culture is approximately same. Also, I like to hear the Saudi dress, and I hope next year I will learn more things from Saudi. All team, because you have a very good spirit, but if I can make him, shalom. The spirit and all Hilal, the fans, the chef, the coach, the assistant, the team manager, want to win. And you feel this when you come to Hilal, that's why you understand it's the big club. C'est un joueur qui est brésilien, qui était à Saint-Étienne quand j'étais jeune, en 99. Et il a marqué contre Marseille, il a fait le lion. Et à l'époque, c'était l'emblème de Saint-Étienne, c'était la panthère. Et un jour, 3-4 ans après, j'étais dans les tribunes et je me suis dit, si un jour je joue en professionnel, si je marque, ce sera ma célébration. Et c'était contre Marseille. Et j'ai marqué et j'ai fait la célébration. Et puis après, ça a continué. Et donc ça m'a suivi. Ça a été ma célébration. Je pense que c'est important pour marquer les esprits d'avoir une célébration quand on marque beaucoup de buts. Et c'était quelque chose qui me ressemblait beaucoup et j'ai préféré continuer comme ça. C'est difficile, mais je dirais Amori et Cano. Amori et Cano. Mais il y en a beaucoup qui peuvent jouer. C'est une question de travail et d'état d'esprit. Les joueurs saoudiens progressent très vite et comprennent vite le jeu, surtout ceux d'Al Hilal. Et je pense que beaucoup de joueurs ont le niveau. Mais si je dois en sortir deux, je dirais Amori et Cano, mais il y a beaucoup qui peut jouer. Il y en a beaucoup, mais il y a des bons riz, tout ça, mais j'aime beaucoup le sucré. Donc je vais dire Hom Ali. Quand je suis arrivé ici, comme je l'ai dit, je n'avais pas fait de préparation, donc je n'étais pas en forme. Et j'ai eu une petite blessure, comme l'intensité de l'entraînement avec l'adaptation, avec la chaleur. C'était difficile pour moi au début. Et j'ai été victime d'une blessure. Et j'étais très triste parce que j'aurais voulu marquer et gagner ce trophée pour les fans. Ça aurait été mon premier trophée de la saison. Oui, pour avoir une opinion sur les premières impressions que j'ai du coach, un très très bon coach. Qui sait ce qu'il veut, qui a une philosophie de jeu, de travail. Je pense que c'est les genres d'entraîneurs qu'il faut pour Al Hilal. Il est dans la lignée de ceux qui ont pu réussir ici. On m'a parlé d'un peu de Diaz, de Jesus. Je l'espère, ça ne dépend pas que de moi, mais je suis très content et très heureux ici. J'espère continuer le plus longtemps possible. Voilà, notre question-réponse touche à sa fin. En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à répondre à vos questions. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Je vais essayer de renouveler cette expérience durant la saison. Comme ça, on pourra en apprendre un peu plus sur moi. Voilà, un grand merci encore à tout le monde pour votre soutien. Et vous dire merci et puis que je vous aime et I love Hilal.